Voilà. Premier départ lancé entre Dominique. 2, 3, 2, 1. Ah oui, là, il est C'est Bertrand là qui termine avec Perron. Formidable. Le sociétaire a dû laisser le boudillage. Reste parti sur Grégoire Merci sur la piste 1. Julien Brosseau, 3e à l'Ebresti, dimanche dernier, sur son terrain, qui est sur la piste numéro 2. On va. Allez, Julien! On va voir passer sur la piste. C'est parti pour Stéphane, le champion de Bretagne 98, par Vézec sur la piste 1. C'est normal, j'ai pas mis le son. Thank you.
Toute ta gueule, j'ai l'impression. On dirait que c'est une vraie. Allô, allô. Julien Brosseau sur la piste 1, le troisième de la descente de Crossville qui affronte le 64 Hervé Portin de SSR-Sauveur. Un copain, notre ami Florian. Ça va pas mal tout ça, là. C'est pas si mal que ça, notre non licencié de Rosse-Premier, là. Et quand même le meilleur pelichon, ça va beaucoup plus fort cette fois-ci. Il sera avec son ami et son talent. Dans les meilleurs temps, c'est sûr et certain, là, ça envoie très fort pour ce petit Charles Croix de Milano, qui sont tous les deux à la route. Il nous reste
spectateurs, nous précisons que c'est le premier arrivé qui gagne et celui qui arrive second est éliminé pour les manches suivantes. Et maintenant, nous avons en piste le 18 et le 27. Alors, c'est pas mal, Christian Evin.
entre Stéphane Noël contre Tristan Hébin. On voit fort, très très fort, notre ami, notre ami Noël n'est pas à son avantage pour l'instant. Va-t-il rétablir la situation? Normalement, normalement, c'est pas encore fait. Ça va l'être, oh là là, juste. Stéphane Noël qualifié pour la demi-finale. C'est parti entre Bertrand Hamon et Nicolas Etienne. Je rappelle à tous les pilotes qui participent aux demi-finales. Ils auront une manche de finale de la guerre à partir d'une finale de toilette. Et là, je pense que sur cette manche, Bertrand Hamon va tout trier notre ami Nicolas Etienne. Sur les belles façons. Et hop, ça va se terminer. Bertrand Hamon, maintenant. Et c'est lancé Stéphane Pichand, le seul élite VTT descente en Bretagne, qui affronte Johan Collin, un des experts de la discipline. Stéphane Pichand est bien sûr qualifié de l'équipe de la Coupe du Monde le week-end de la Pentecôte. C'est parti. C'est parti. Oh là là, c'est chaud. Et c'est Johan Collin, la surprise générale. Les gens contre Stéphane Métayeux. Je vais aller après. C'est le noir, c'est des juniors, c'est donc Benoît Sauvé contre Yann Boudet. C'est un match que nous allons revoir souvent. Et Benoît Sauvé a apparemment l'avantage, mais à l'intérieur, Yann Boudet peut revenir. Non, c'est bon, c'est Benoît Sauvé, notre Liliacien, qui remporte cette manche. Et c'est parti entre Stéphane Noël et Bertrand Hamon. Apparemment, Bertrand Hamon a pris l'avantage. Il est sorti très vite. Oh là là, l'ami Stéphane, voilà, a l'air de bruit assez. Et donc, notre ami Bertrand Hamon qui va probablement se retrouver en finale. En finale senior contre. Et ben voilà, à déterminer. Deuxième demi-finale de demi-finale senior entre Johan Collin et Stéphane Métayeux. Ah, ben je pense que ça va être Stéphane Métayeux qui va l'emporter. Johan Collin apparemment fait toute faute. Et donc nous aurons une finale entre le petit professeur de l'Hermitage Stéphane Métayeux contre Bertrand Hamon. Il avait fait un très beau tableau. Et c'est Stéphane Noël qui remporte la finale des Carbins de la Ah, le microfer de l'Hermitage, Stéphane Métayeux, a beaucoup, beaucoup de talent, mais la misère prend en main. Très fort. Regardez un petit peu ses animations, ça va très fort. Et je crois que bon. Et c'est Bertrand Hamon qui gagne devant notre ami Stéphane Métayeux. On va attendre maintenant la catégorie des masters, ils doivent être tous là, je vois Thierry Ferré qui est là. On a Thierry Ferré, allez Julie Guéant, alors elle va essayer une bouteille et une casquette. Hein. Voilà, ça devait commencer, on l'avait prévu, la situation est sous contrôle, il n'y a pas de problème. Ah. Ah non, non, le troisième c'est Ristoré, oui, quand même. Et bien voilà, ça comme tout va bien. Un flasher rapide, merci, mais pas la vie du à l'autodium, mais on a du matériel, hein, ça va pas supporter très bien. Ouais, ça dégénère, alors ça c'est pour un mot le vainqueur. Seigneur, on a qui encore là, car... Aïe, ça va sentir, je ne sais pas quoi. On est le cher qui a parti. Préparation Berber tout à l'heure, là, voilà. Je vous rappelle que c'est un prouve là. Bon, alors petit pas. Radio.
Un polyvalent total du Gouvernement.
Jean-Marie Barzin l'emporte. C'est bon. On enchaînera très vite derrière. On accélère un peu le rythme maintenant. Et on aura terminé normalement cette compétition vers les 18h15. Et là, il y a eu des transferts un petit peu sur les pistes, c'est pas grave. Et... Alors c'est parti, hein. Bah oui, c'est parti. Et c'est qui là? C'est le petit Jean qui fait pas de cadeau à Jérôme Coupet. Voilà. Et Jérôme Coupet qui est avec une super mobilette, avec une belle biplace. Et donc, Stéphane qui fait partie. C'est parti. Maintenant, c'est la troisième qualification de ce quart de finale. Alors que nous préparons maintenant le passage. Alors, il y a des squats. Alors que, hop là, c'est terminé. Et notre ami Yohann Doudet. En termine, en roue libre, et en roue libre ça va quand même très vite. Et...